Cette journée d'étude, violence impériale à la lumière de la guerre russo-ukrainienne, organisée par Mémorial France, nous a permis de mettre l'accent et de mettre en lumière un type de violence de masse exercée par l'Union soviétique, notamment contre ces minorités nationales, parce que pendant très longtemps, on faisait l'opposition entre la violence nazie fondée sur une conception raciale de l'humanité et une violence soviétique fondée sur une conception sociale marxiste, donc de la lutte des classes qui était le moteur de l'histoire. Et on a très longtemps négligé la dimension de ces violences impériales qui ont été extrêmement importantes. Je rappelle juste un chiffre. Au début des années 50, 90% des déportés qui peuplaient ce second goulag qui était les peuplements spéciaux dans ces régions inhospitalières du pays qui étaient la Sibérie, le Kazakhstan, le Grand Nord, étaient des minorités nationales. Les Ukrainiens, les Biélorusses, les Polonais, les Allemands qui vivaient en Ukraine, mais aussi les minorités du Caucase, les Tchétchènes, les Ingouches, les Tatars de Crimée aussi, qui ont été déportés en masse. Et aujourd'hui, il est intéressant de voir à quel point cette violence sur le long terme de masse contre les minorités nationales pendant la période soviétique nous permet de comprendre la nature impériale de cette guerre menée par le régime de Poutine contre l'Ukraine. Un de ses moteurs de cette guerre, c'est la reconstitution d'une entité impériale dans la mesure où, pour Vladimir Poutine, comme il l'a dit il y a déjà près de 20 ans, la chute de l'Union soviétique et au fond la perte de cet empire spécifique qu'était l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Mémorial France va continuer à organiser toute une série d'événements pour éclairer le présent.